Bonjour à tous, vous avez été nombreux à être là à 19h juste, 20h juste en Europe, que ce soit, alors, ça dépend de l'endroit où vous êtes. Et pour la première fois, j'ai eu des erreurs techniques de la part de mon invité, ce qui a fait en sorte que nous ayons un retard de 30 minutes. On ne va pas tarder et tout directement, on va commencer avec notre émission d'aujourd'hui. Bonjour Feli Okito, bonjour Oleko, bonjour Kabuya Chilou Jonathan, Exocé Mobali, bonjour. Avant de commencer notre émission et de faire venir notre invité, nous allons tout d'abord vous faire part de ce petit montage qu'on a fait, que notre rédaction a préparé pour notre invité à titre de... Voilà, d'introduction, parce que Batébélé va ébiété, Batmoussoupe va ébiété, donc nous allons faire en sorte que les autres aussi puissent le connaître. Donc voilà, on va commencer par cette petite vidéo que nous avons concoctée pour lui aujourd'hui. Par un coup du hasard, convaincu sur son chemin par des amis. Il a revêtu les crampons juste par un coup du hasard, convaincu sur son chemin par des amis qui, pour la plupart, étaient des footballeurs. Il choisira de continuer avec ce sport au détriment de la danse qui l'affectionnait pourtant, comme tout Congolais qui se respecte. Il avait, sans le savoir, des notions naturelles du football et finalement une carrière juteuse s'en suivra. Roger Itoto, natif de Mbandaka, intègre le centre de formation de Rouen à l'âge de 15 ans. Un tournant pour sa vie puisqu'il rentre dans une autre dimension. Il découvre un monde complètement à part puisqu'il faut maintenant atteindre un objectif, celui de devenir professionnel. La patience, le travail et le dur labeur de ce fils du pays finira par payer puisqu'il va décrocher un premier contrat professionnel avec le club de Rouen, club avec lequel il connaîtra ses débuts professionnel en deuxième division. Ses performances en Coupe de France face à des gros clubs de Ligue 1, notamment Bordeaux et Marseille, lui ouvriront les portes des différentes sollicitations et il sera séduit par le projet du club de Lille, club dans lequel il gardera des très beaux souvenirs puisqu'il restera pendant cette année. Une fois de plus, c'est par un coup du hasard qu'il se retrouvera dans la sélection nationale du Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo. Lors d'une rencontre face à Valenciennes, il est au marquage d'un certain Mutubile Santos, que nous connaissons tous. Ce dernier, lassé par ce marquage serré de Roger Itoto, lance une insulte en Lingala sans savoir que Itoto était congolais. Il sera surpris de la réponse de Roger Itoto, et les deux échangeront à la fin de la rencontre et sa première sélection ne tardera pas. Son expérience en sélection nationale sera un mélange de bonheur et de douleur. Une expérience qui se termine avec une troisième place à la Coupe d'Afrique des Nations en 1998 et aussi une grave blessure qui aura des conséquences pour la suite de sa carrière. Non seulement il est abandonné à son propre sort, mais il lui manquera même un billet pour rentrer à Lille. Alors que le club de Monaco s'était pointé avant son départ en sélection pour le recruter, ce transfert n'aura plus lieu et c'est avec beaucoup d'amertume qu'il observera son expérience en sélection. Et non seulement comme étant un joueur très talentueux, dévoué et avec un sens énorme d'abnégation,
Il est aussi un personnage entreprenant, ouvert et surtout très communicateur. Des bases solides pour vous assurer une post-carrière aujourd'hui, puisqu'il est manager général, consultant et ambassadeur du football congolais. Un vrai parcours du combattant. Voilà, vous avez suivi ce petit reportage de M. Roger Itoto. Tout à l'heure, nous allons le recevoir et nous allons bien développer tout ce que nous avons parlé de lui. Aujourd'hui, nous aurons une interview qui aura un trait sur le patriotisme. Pourquoi patriotisme? Eh bien, puisque bon nombre de Congolais aujourd'hui sont en train de confondre patriotisme et nationalisme. Il y a une citation de Romain Gary qui disait « Le patriotisme, c'est l'amour des siens et le nationalisme, c'est la haine des autres. » Ces derniers temps, nombre de Congolais, plusieurs Congolais se sentent rejetés. Ils sont rejetés non pas parce qu'ils sont nuisibles à la nation, mais plutôt parce qu'ils aiment leur pays. Cet amour, ce patriotisme peut se manifester de différentes manières. Il y a certains qui ont choisi la voie du silence, d'autres qui préfèrent observer sans agir, d'autres qui observent et qui agissent dans le silence. Mais il y a aussi bon nombre et certains qui préfèrent la voie et qui choisissent la voie de la dénonciation ou de la confrontation. Cette interview aujourd'hui aura aussi un trait sur la liberté d'expression. Une liberté qui va finir par ouvrir des chemins pour la vérité, des vérités qui seront dites pour trouver des solutions aux problèmes que nous rencontrons aujourd'hui avec le football congolais. J'espère que notre invité aujourd'hui pourra se pencher sur ce cas et finira par utiliser cette liberté d'expression pour se libérer de ce poids de conscience pendant qu'il occupait ses fonctions d'ambassadeur du football congolais. Je reçois pour vous aujourd'hui M. Roger Itoto. Bonjour Roger. Bonjour, bonjour à tous, à tous qui sont là et puis bon, très heureux d'être là parmi vous. C'est un honneur pour moi de vous recevoir ce soir. Je sais que plusieurs personnes attendent cette interview. Hein, et après, tout d'abord, avant de commencer, avant d'aller vraiment aller sur le vif du sujet, quand j'ai suivi votre petite introduction, hein, votre petit aperçu de carrière, il y a trois éléments qui m'ont tiqué. Je dirais même quatre. Le premier, je dirais, c'est la danse. C'était quoi cette danse? C'était le ndombolo? C'était quoi? Non, c'est la danse qu'on dansait ici en tant que jeune parce qu'on ne savait pas faire grand-chose. Donc, c'était notre temps de liberté. On appelait ça moderne de jazz. Donc, on dansait entre jeunes, entre nous. Ça nous permettait de nous retrouver, d'être ensemble. C'était nos moments, nous. Donc, c'était plus être là entre amis, quoi, entre copains. OK. Et le deuxième élément, c'est le fait que vous soyez arrivé au football par le coup du hasard. C'est-à-dire que ce sont des amis qui vous ont amené au football. C'était quoi? Pendant votre jeunesse, vous n'étiez pas trop intéressé par ce sport? Non, pas du tout. J'étais pas du tout. Parce que mes meilleurs amis faisaient tous du football, je comprenais pas quoi. Donc, au fur et à mesure du temps, on était nombreux en train de danser. Je commençais à perdre la plupart des amis avec qui j'ai grandi. Et après, bon, mais un jour, je me suis décidé de les suivre. Et bon, ils m'ont dit, écoute, viens, voilà comment ça se passe. Je regardais et puis bon, bah, finalement, j'ai trouvé que dans le temps, c'était simple. Et après, je me suis mis un peu à jouer avec eux. Et puis, ben, au fur et à mesure du temps, après, bon, mais c'est là qu'ils m'ont proposé. En me disant que, écoute, reste parce que tu as des qualités, mais pour le moment, tu n'es pas conscient. Quoi. Puis, bon, ça a été tellement vite, ben, j'ai pris ça comme un jeu. Moi, pour moi, c'était un jeu. Quoi. Ah, OK. C'est bien. Alors, un troisième élément, c'est cette petite anecdote qui est à l'origine de votre présence en équipe nationale avec le Zaïre à l'époque. C'est que vous êtes au marquage de Mutubile Santos. Et tellement vous l'avez serré pendant ce marquage, il vous lance une petite insulte en Lingala, sans le savoir que vous comprenez le Lingala.
Oui, c'est vrai qu'à l'époque, on n'a jamais vu un Congolais avec des cheveux que je, des cheveux comme ça, des dreadlocks. Non, le Congo, c'est bien coiffé, la coupe est bien ras. Et on voit quelqu'un avec des cheveux que j'avais. La plupart pour eux, j'étais Camerounais. Mais Mutubula Santos, bon, c'était un monument. J'étais jeune, je regardais. On m'a dit, il faut être marquage dessus. Mais c'est pas facile parce que j'ai passé une soirée difficile. Mais bon, j'étais jeune. Chaque fois, il dribait, je revenais, il redribait, je revenais. Et il y a un moment, bon, il y a cette insulte-là en me disant, mais yo, Longwana, je dis, ah vieux, au fin, oui, je suis un Congolais. À la fin du match, on a eu l'occasion de discuter. C'est grâce à vieux Santos qu'après, il y a eu ce qui s'est passé avec l'équipe nationale. Et pour terminer, c'est cette mésaventure, ce problème que vous avez eu, c'est-à-dire cette blessure qui vous a, dirais-je, empêché d'avoir une carrière beaucoup plus fructueuse que celle que vous avez eue. C'est-à-dire que après cette blessure avec l'équipe nationale, vous ratez l'avion et vous ratez le transfert à Monaco. À l'époque, c'était Jean Tigana qui était l'entraîneur, c'est ça? Oui, c'est ça. On s'était vu le dernier match en première division, c'était à Nice. On fait match nul, j'égalise ce match-là. À la fin, bon, je savais que Monaco, ils étaient intéressés. L'entraîneur, il s'est déplacé lui-même, comme Nice et Monaco, c'est pas loin. Il s'est déplacé, il m'a parlé. Et puis, bon, à l'époque, là, c'était facile, c'était la parole. Quand tu donnais une parole, donc on s'arrêtait là, on disait, il n'y a pas de souci, il a donné sa parole. Je lui avais donné ma parole en disant simplement que, coach, laissez-moi partir avec la sélection, de mon retour. Je descends à Nice, on signe pour 2 plus 1, il n'y a aucun problème. Donc on s'était mis d'accord, mais sans pour autant savoir que c'est bon, je partais, ça allait être la fin de ma carrière. Bon, c'est le destin, c'est un choix mûrement réfléchi. J'étais content puisque ça m'a appris beaucoup de choses dans la vie par la suite. Ambassadeur, passons maintenant aux choses sérieuses. Bon, c'est vrai que vous avez eu une carrière riche, surtout très intéressante, hein. S'en est suivi une post-carrière très exemplaire, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui réellement, moi et tous les spectateurs qui vous suivent en ce moment, c'est ce rôle d'ambassadeur. Ce rôle d'ambassadeur que vous assumez, que vous assumez avec la Fédération congolaise de football. Et sans plus tarder, je vais commencer avec cette petite et première question. Même si par le passé vous avez eu à contribuer au développement du football congolais, cette fois-ci vous êtes directement impliqué avec une collaboration étroite avec la Fédération congolaise de football. Peut-on tout d'abord savoir qui vous a contacté pour assumer ce rôle d'ambassadeur? Merci, sincèrement profond. Donc, je vais être clair, comme ça, on va avancer pas par pas. J'ai reçu par mail. C'est par mail. On m'a pas appelé, voire en me disant voilà, on te nomme. Non, par mail, j'ai reçu le courrier. Par mail en disant mais voilà, on vous nomme officiellement. Normalement, c'est avec Claude, mon Claude qui a pas accepté. Et à partir de là, vous êtes ambassadeur, mais parce que le rôle de l'ambassadeur, je sais, c'est tellement large. Je l'ai fait pour d'autres choses. Et donc, moi, c'était simplement donc ambassadeur, mais dans tout ce qui est scouting. Donc, aller superviser les joueurs, aller prendre des renseignements. Et à partir de là, dès que j'ai les contacts avec les joueurs, normalement, comme ça doit se passer, j'informe le team manager, On le va y team arriver, on va y manager. arriver. Mais ça c'est le Donc, mail que vous avez reçu le dans mail, ce j'ai mail. reçu. Dans ce mail, je reçois Qui vous simplement envoie le mail? Qui vous envoie le mail? la fédération. Au nom de qui? Au nom du président, Monsieur Chimanga? Non, 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 moi, c'est pas, j'avais pas affaire à lui, j'avais affaire avec le président Constant Omari. Ah, Quand je so. reçus le mail, il était encore là. Donc Je sais qu'il partait, mais il était encore là, oui. c'est le même mail qu'ils envoient à Claude Makélélé à l'époque. Donc c'est le même mail. Ils envoient aussi un mail à Claude Makélélé. Oui, au départ, c'est Claude qui avait reçu. Ben, il faut être clair avec vous. Parce que il cherchait à contacter Claude, à voir Claude. Donc à partir de là, Claude, bon, il est tellement pris, il les a eu au téléphone.
Et bon, comment ça s'est passé après, bon, c'est à lui de voir. Donc, Claude, il a décliné pourquoi le coup, lui-même, il sait le pourquoi. Donc, je ne vais pas rentrer dans ça. Donc, à partir de là, Claude, par la suite, ils ont nommé Claude. J'étais content. J'ai dit, mais je l'appelle. J'ai dit, mais Claude, c'est bien, etc., etc. Je n'étais pas à sa place. Une heure après, je reçois un mail en me disant simplement que moi, je suis nommé ambassadeur. Sans autre chose, voilà ce qu'on a reçu comme mail. Okay. Voilà. Une heure après, j'ai reçu le même mail que Claude. Ok. Donc, et lorsque vous acceptez ce rôle, hein, quelles sont les prémices de cet engagement? Y a-t-il un contrat sur la table qui vous lie à la FECOFA ou alors c'est un engagement verbal auquel vous répondez? Alors, donc, à partir de là, quand il y a, comment dirais-je, verbalement, non, parce qu'on ne s'est pas appelé, ils ne m'ont pas appelé, je ne les ai pas appelés, c'est le document que j'ai reçu. Par rapport à ce document en question, j'ai un peu lu ce qu'il y avait marqué. Bon, il n'y a pas grand-chose, simplement scouting. Voilà, on vous donne plein pouvoir à l'extérieur, scouting, aller superviser, aller voir. Ok, je regardais, j'attendais un moment, je me suis dit, bon, j'attends peut-être qu'ils vont rentrer en contact, on aura réunion au travail pour essayer de savoir comment collaborer. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de suite par rapport à ça. Et un Donc, mois. Il n'y a eu aucun contrat sur la table qui vous liait à la FECOFA? Non, il n'y a aucun contrat, sinon je vous ai dit clairement, il n'y a aucun contrat. C'est pour cela que quand j'attends du bruit, il démissionne, on démissionne quand on a un contrat. Donc, je pars parce qu'il n'y a aucun contrat qui me lie à la fédération. C'est par amour. J'étais content, oui, par rapport à ces nominations. Mais malheureusement, je pensais que la suite, ça allait suivre, dialoguer entre sportifs, parler et essayer de voir, envisager comment pouvoir travailler par la suite. Malheureusement, il n'y a jamais eu de contact pour essayer de trouver un plan d'action, comment travailler, comment c'est. Dialoguer avec les personnes qui sont en place et ma tâche à moi, c'est limite à quoi par rapport à la feuille que j'avais reçue. Donc, c'était simplement, ben voilà, tu as reçu cette feuille comme quoi, entre guillemets, comme contrat, comme quoi que tu es nommé ambassadeur scouting, c'est tout. Donc, c'est la seule feuille que j'ai reçue. Rien d'autre à part ça. Donc, on peut donc conclure qu'il s'agit ici d'un engagement verbal et pas de contrat. En ce moment-là, lorsque vous acceptez acceptez ce rôle d'ambassadeur, est-ce que vous mesurez les conséquences? Quand je dis conséquences, je fais allusion à votre prédécesseur, Aziz Makoukoula, qui lui aussi est passé dans cette émission et qui, dans ses déclarations, il fait état de son incapacité de remplir ce rôle en bonne et due forme, puisque les moyens ne lui sont pas octroyés. C'est-à-dire que ce rôle d'ambassadeur était juste un titre, mais dans la réalité, c'était que du beurre. Est-ce que vous mesurez les conséquences au moment où vous acceptez de ce rôle en tant qu'ambassadeur? Alors, quand j'ai accepté ce rôle avec Tifa Aziz, je ne suis jamais rentré en contact pour savoir comment ça s'est passé quand il était en place. Quand j'ai accepté ceci, je savais un peu où je mettais les pieds moi-même, en me disant simplement que je suis content, parce que quand tu es Congolais, ton pays te propose ceci, tu ne peux pas refuser. Moi, pour moi, c'était un bonheur, en me disant simplement que j'y vais, mais sans réellement savoir ce qui m'attendait sur place. Mais l'envie de le faire était là. Mais après, avoir envie, mais être sur le terrain, te rendre compte réellement comment ça se passe, ça c'est autre chose. Donc il y avait deux façons, il fallait travailler sur le terrain et en dehors, il fallait un peu bricoler pour essayer de pouvoir trouver comment être utile par rapport à l'équipe nationale. Donc c'est vous mesurez les conséquences et c'est tout en connaissance de cause que vous acceptez ce rôle. Si je comprends bien sûr. Ah mais je peux pas. J'adore les défis. Je vous assure, j'adore les défis. Mais là où en allant au pays, je pensais pas que sur quoi. Honnêtement, je savais pas sur quoi j'allais tomber.
Moi, l'envie, c'était de travailler. Je voulais travailler. Et ce qui est bien, avec le peu d'expérience que j'ai eue, pour moi, c'était agréable d'aller approcher mes jeunes frères, parler avec eux, discuter avec eux, leur faire comprendre réellement l'importance de jouer pour le pays, l'importance. Et en même temps, paradoxalement, ce qui est extraordinaire, c'est que la plupart des joueurs, c'est des joueurs qui étaient dans mon cas, qui n'ont pas tellement connu le pays. Moi, j'ai un peu, mais il y en a qui n'ont pas connu le pays. Donc, la richesse, c'était de les approcher, de parler avec eux, de les faire comprendre l'engouement, comment ça se passait, parce que c'est très, très important, parce que je suis passé par là. Mais malheureusement, je n'ai pas pu faire, je n'ai pas Est-ce que pu aller vous jusqu'au avez, bout des idées. est-ce que, oui, on va y arriver. Est-ce que vous avez eu le temps de parler, d'échanger avec Aziz, celui que vous avez, qui vous a précédé, pour avoir une idée des choses, comment ça se passe, comment ça marche? Avez-vous eu l'occasion d'échanger? Non, pas du tout. Ok, Pas du ok. tout. Ok, je vais vous poser la même question que j'ai posée à votre prédécesseur. C'est-à-dire le rôle d'un ambassadeur est d'assurer les intérêts du football congolais, hein, auprès des Bien sûr. potentiels partenaires à travers le monde, de projeter une image positive pour attirer les potentiels partenaires, organiser des échanges avec d'autres fédérations pour partager et améliorer les connaissances en termes de formation, éducation, visibilité, promouvoir des projets qui constituent un socle pour l'avancement du football au pays et aussi, finalement, convaincre des potentiels talents ou binationaux à rejoindre les Léopards et ainsi renforcer les différentes sélections nationales, U17, U19, U20, parmi toutes ces tâches, pouvons-nous tout d'abord savoir quelles sont exactement les tâches qui vous sont confiées? Alors, les tâches qui me sont confiées, c'est scouting, aller superviser les joueurs. Je vais Seulement simplement ça. superviser. Il n'y a que ça. Malheureusement, c'est vrai que je reste sur ma faim parce que je connais le rôle là. Ça demande énormément parce que là, actuellement, quand on regarde, bon, ça, c'est le projet que j'ai donné parce que je les avais envoyés en disant simplement que voilà la vision de rôle d'ambassadeur. Mais moi, ça s'arrête au scouting. Donc, à partir de là, scouting, ben, j'essaie d'aller voir les joueurs, discuter avec certains joueurs. Et ces joueurs, quand tu parles avec les joueurs, bon, ils demandent, c'est normal, ils m'ont pas attendu pour devenir professionnel. Ils ont des gens qui les entourent tout autour. Il faut réussir à les faire comprendre. Il faut qu'en même temps, ils te demandent le projet qu'il y a à court, moyen et à long terme. Il faut être capable de pouvoir les répondre, tout ça, et dialoguer avec eux. Et à partir de là, c'est pour ça que je trouve que ce qui est excellent dans ce milieu, c'est de pouvoir les approcher et puis le ressenti. Parce que c'est facile, tu peux prendre le téléphone, appeler, discuter. Mais quand tu as été joueur, je pense que c'est important de donner l'importance au joueur quand tu vas le voir. Je pense que c'est important pour l'entourage et puis en même temps pour le joueur en question. Vous serez mis aux côtés de, si je peux me permettre de le dire, vous serez mis aux côtés de Monsieur Santos Mutubile et Chabaninonda, à qui vous devrez faire rapport de votre travail. Trouvez-vous cette procédure normale, puisque en même temps, elle ne vous permet pas d'avoir un contact direct avec l'entraîneur national principal, et pourtant, une telle collaboration, c'est celle-même qui devrait vous permettre d'effectuer votre travail. Alors, C'était déjà un problème ou pas? est-ce que vous pouvez me donner 2 secondes? Je vais essayer un peu de développer parce que où vous avez mis le pied, Allez-y. ce que vous venez de m'expliquer. Ok, d'accord. Allez-y. Alors, donc, à partir de là, il faut bien signifier le rôle en sachant que Vieux Santos et Chabani, c'est des conseillers du président de la fédération. Donc, c'est deux conseillers. Donc, à partir de là, il y a un team manager qui est là. Donc, il n'est pas au-dessus de moi, il est team manager. Donc, moi, je suis à part. Et à partir de là, le travail que j'ai fait, le relais, quand je fais un travail avec mon équipe, parce que je ne suis pas seul, il y en a qui sont dans l'ombre, qui ont travaillé avec moi dans tout ce qui est stats, parce que c'est très important de savoir où on va. C'est bien beau de regarder des joueurs, mais maintenant, comme le football évolue, je pense que les joueurs, des fois, ils posent des questions, ils veulent savoir le pourquoi et le comment, qu'ils ne sont pas sélectionnés ou ils ne sont pas appelés, pourquoi ils ne jouent pas. Donc, c'est pour cela que tout autour, l'équipe qui travaille, c'est tout ce qu'on appelle les stats de chaque joueur. Donc, tout le week-end, de vendredi, samedi, dimanche, le dimanche à 2 h du matin, on sortait les stats de tous les championnats européens. Là, il y a tous les Congolais qui jouent. Qu'est-ce que j'ai fait? J'envoie au conseiller du président. J'ai envoyé au départ au team manager, j'ai envoyé au DTN, parce que pour moi, il est important.
Il est important le DTN. Je leur envoie ça et envoyer. Et puis, au fur et à mesure du temps, je me rends compte que il n'y a pas de retour et ça donne pas un peu plus d'importance. Et à un moment donné, tu te poses la question, tu dis, waouh, c'est compliqué, tu sais pas quoi faire. Parce que les stats, là, ça permet de pouvoir dialoguer. De pouvoir dialoguer, même si je m'approche pas de l'entraîneur, que celui qui est là, le team manager, le dialogue qu'on peut avoir, il peut relayer ça directement à l'entraîneur parce que lui, il est plus proche. Donc, moi, pour moi, ça pose aucun problème. Mais ça devait être une chaîne qui permet de pouvoir faciliter le travail qui soit bien fait, que chacun puisse être à son place. C'est pour cela que ça aurait été bien qu'il y ait séance de travail pour pouvoir bien cibler le poste, le travail. Ce n'est pas parce que Itoto va voir un joueur, c'est Itoto qui travaille le mieux. Non, Itoto, il peut travailler dans l'ombre. Mais dès qu'il prend l'information, il donne l'information et il faut prendre cette information en considération parce que le travail que la personne fait, si elle n'est pas prise en considération, c'est difficile. Et avez-vous eu l'impression d'avoir travaillé sous une procédure normale quand vous voyez tout ça? Non, j'étais pas. J'étais là au nom d'ambassadeur, mais j'étais pas considéré. C'est difficile à le dire, mais je le dis sincèrement, j'en veux pas à qui que ce soit ou quoi. J'étais heureux par rapport à ce poste qu'on m'a nommé. Je pouvais rester à ma place en disant, mais oh, je suis ambassadeur. Mais non, quand tu as été footballeur, ce beau pays, j'ai aucun droit de pouvoir venir tricher ou voler. Parce que ce pays, on n'arrête pas de dire la même chose. Il y a des joueurs talentueux. Ça fait des années qu'on répète la même chose. Mais quand est-ce que nous allons nous asseoir, travailler réellement pour que les joueurs qu'on dit talentueux puissent émerger? C'est là, le problème est là, et c'est tellement plus profond que ça. C'est pour cela que je m'étonne que les gens se soulèvent, ah, ils démissionnent, oh, ils décident. Est-ce que c'est ça qui est important? Il y en a qui, on peut même dire, oui, mais il parle pas, il dit rien, il est bien, comme il est bien. Mais non, il y a un moment donné, on appelle ça prendre du recul, avoir la sagesse. On vient pas au pays pour détruire un pays, non. On vient pour essayer de trouver des solutions calmement pour que nos footballs puissent émerger. Quand on regarde tout autour, on commence à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays? On a tout ce qu'il faut, certes. Mais qui fait quoi? C'est ça qui est plus important, que tout soit bien ciblé. Et à partir de là, Dieu est grand, que ça donne la possibilité qu'on puisse voir le football différemment. Je pense que c'est le dialogue qu'il n'y a pas pour moi. Très bien. J'ai ici avec moi la liste de votre premier travail, c'est-à-dire que quand vous prenez les fonctions d'ambassadeur, vous allez, la première chose que vous faites, vous établissez une liste de travail, c'est-à-dire une liste de projection de tous les joueurs, qui les potentiels renforts pour renforcer, c'est-à-dire pour renforcer la sélection nationale. Vous établissez cette liste et j'ai ici les noms, si je ne me trompe pas, hein, j'ai ici, voilà. En France, vous avez... non, en Angleterre, je commence par l'Angleterre. En Angleterre, vous avez donc Bissaka, oh non, attendez, je vais prendre la liste. Voilà, je crois que je l'ai ici. Voilà, en Angleterre, vous avez Bissaka, 2, Twanzebe, 3, Ezri Kosa, 4, Jafet Tanganga, 5, Jérémy Ngakia, 6, Grady Diangana. 7, Steffi Mavididi. En Allemagne, vous pointez David Kissombi, sans compter Silas Wamangituka. Hein. En France, vous pointez Timothée Pembele, Jean-Victor Makengo, Simon Banza. En Belgique, vous pointez Aurel Mangala et Théo Bongonda. En Suisse, vous pointez Charles Piquel. Parmi tous ces joueurs, coach ambassadeur, quels sont ces joueurs que vous avez pu approcher et quels ont été les moyens qui ont été mis à votre disposition pour que vous puissiez faire ce travail? Parce que le premier rapport, vous le faites. Quelle a été la suite? Alors, ok, d'accord. Avant de pouvoir reprendre, je vais revenir par rapport à cette liste. C'était tout de suite après le match que nous avons joué contre Bénin, quand nous avons gagné. Le lendemain, avec les personnes avec qui je travaille, mes collaborateurs, on s'est mis à pouvoir chercher à regarder les joueurs potentiels qu'on avait déjà sur notre liste. Et on commence à faire cette liste. Et là, il faut savoir en même temps
il faut qu'on soit des visionnaires par rapport. On ne va jamais prendre la place de qui soit des visionnaires anticipés. J'ai regardé avec mes collaborateurs la liste et le nom de joueurs que nous avons actuellement et je regarde les âges. Je regarde les âges. Et par rapport aux âges, maintenant, si vous regardez la liste que vous avez là, dans cette liste-là, regardez la moyenne d'âge. C'est des jeunes. J'anticipe par rapport au futur. Et en même temps, cette liste, je me suis dit, ben tiens, j'ai distribué cette liste à la PD, je l'ai fait qu'on fasse, je l'ai redonné en disant simplement, voilà les noms. Ça n'avait pas dit, il faut changer tous les joueurs qu'on jouait. Non. Voilà potentiellement le nom, le travail qui a été fait. On a remis ce travail. Et maintenant, c'était 3 mois, 2 mois et demi avant. Je me suis dit, bon, comme en remettant la liste, je me dis, ah, peut-être qu'on va m'envoyer, va voir un tel, parce que c'est pas moi qui décide. J'ai sorti cette liste en disant, voilà la liste qu'il y a. OK, j'ai attendu rien, j'étais à Kinshasa, 2 semaines, 3 semaines, rien. Donc, je suis rentré. Je me suis dit, bon, étant donné que la façon que ça fonctionnait, donc on n'a pas besoin de moi que j'aille plus loin. Même si je vais aller superviser, aller voir un joueur, mais le joueur-là ne sera pas pris parce que c'est pas moi qui décide. C'est tout à fait normal. Donc, à partir de là, bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais la suite ne m'appartenait pas. OK. Donc, la suite ne vous appartenait pas. Donc, cette liste, elle est restée comme ça et rien ne s'est plus passé. Cette liste, non, parce qu'il y a Théo qui a été convoqué. Il y a Meshak. Bon, Meshak qui a été, je pense... Mmh. Mais chaque, il y a, bon, bref, mais après, il est venu. Je pense qu'il y en a deux. Je vois Théo Bongonda et je crois qu'il est le seul hein, dans cette liste. Il y a que Théo qui a été approché par moi. Charles a déjà été. Donc, Théo qui a été contacté, c'est pas moi qui l'ai contacté parce qu'après, la plupart. Ils ont été contactés derrière mon dos. C'est pas moi qui ai fait cette démarche-là. Moi, pour moi, c'est pas important. C'est de savoir qui fait quoi. Et à partir là, qu'on puisse évoluer. On ne peut pas créer, mettre des choses en place s'il n'y a pas de dialogue. Avez-vous réellement senti cette volonté de la part de nos dirigeants de réellement contacter ces joueurs? Si j'étais mis en confidence, je vous aurais dit... Mais honnêtement, je ne sais rien. Parce que quand j'ai donné ça, je n'ai pas eu de suite. À partir du moment où vous n'avez pas de suite, cela veut dire que... Ah non, je ne suis pas important. Donc, quand c'est comme ça, il faut dire les choses clairement, il ne faut pas tourner autour. Donc, à partir de là, c'est pour cela que je reviens encore là-dessus. Le rôle de l'ambassadeur, j'étais content parce que je dis, waouh, mon pays reconnaît le peu que j'ai fait pour le pays. Moi, pour moi, c'était ça. Mais après, quand on est dedans, en train de travailler, mais tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. Peut-être tu peux avoir le rôle d'ambassadeur, mais on n'a pas besoin de ta vision, ta façon de voir. On n'a pas besoin. C'était plus ça. Et maintenant, quand tu en parles, les gens sont choqués. Non, j'ai vécu ça intérieurement. Je disais rien parce que je retournais, j'étais content. Content d'être au pays, content en se disant que voilà, le Congo, mais on va se lever. J'avais simplement ce rôle d'ambassadeur. Le reste n'était pas intéressant, il ne nous intéressait pas. Oui, parce que je me rappelle aussi, lors de notre premier entretien, j'ai discuté avec un Roger Itoto très enthousiaste et surtout très optimiste avant la rencontre face au Bénin. On pouvait constater le bonheur d'une alliance, d'une unité, et entre vous tous, autour du monde footballistique congolais. Pensez-vous que certaines de vos déclarations à la presse sont à la base de votre séparation ou de ce désamour entre vous et la fédération? Comme je suis quelqu'un, je réfléchis beaucoup, j'agis jamais comme ça. J'ai mis 7 mois pour pouvoir comprendre le déroulement, comment ça se passait. Sagement, je regardais, je me suis dit non, prends du recul, calmement, regarde. Des amours, non. Je suis quelqu'un de franc. J'aime dire les choses et je suis très positif. Parce que je me rappelle au départ, quand on regardait l'équipe nationale, on avait du mal. Le coach qui était en place est critiqué, etc. On jouait mal et on avait 2 matchs très importants. Tanzanie et Bénin. En étant clair, je ne sais pas lequel Congolais qui va lever le doigt en me disant que lui, il était sûr qu'on allait gagner en Tanzanie.
Celui qui dit ça, je tire mon coup de chapeau. Tout le monde voyait que on n'allait pas, on allait perdre là-bas. Et je très proche des Santos et des Chabanou, on parlait. Je leur ai dit simplement que l'histoire va commencer là, en Tanzanie. La parole que j'avais dit. Et en allant en Tanzanie, Dieu a fait grâce, on gagne en Tanzanie. On grande au Bénin. J'ai dit, mais voyez, on va y aller à cette Coupe du Monde sans se rendre compte. Mais après, mais tout a filé d'une telle rapidité et je me voyais nulle part. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, ça va tout, mais pas de coup de fil. Et tu fais quoi? Non, rien. Ça fait 2 mois et demi, 2 mois, rien du tout. C'est pour dire que malheureusement, tu as été nommé, mais tu gênes. Tu gênes parce que tu n'es pas considéré par rapport au rôle que tu as. Tu n'es pas considéré. Ok. Ambassadeur, Namoni, tout le monde est en Lingala. Tout le monde est en Lingala. Si on a eu un Lingala, on a eu un Lingala. On a eu une question Oyo, na Lingala, pour Balobi Boye. Balobi aussi, il y a 3 raisons. Il y a Liboso, parce que Baboya qui yo, Bapimela qui yo, Kokoti sa Elvis, Souki sa na sélection. Hein? Yami Balé, pour Babi yo, il y a déjà un bon à commission. Si quoi yo, le quoi va bengisa qui Elvis, Souki sa, yo, ba bengisi te, yo, Siliki, on est qui première déjà, Kosilikana yo. Yami Balé, Balobi, tant que Bokenda qui na Silas ou Mangituka. Il fallait bo liapé moi là na compte que non moi na zo ki choc fallait quand même bangomba bimisa moi là fallait bo mon chef de l'état bangomba tie ba barrière yo siliki ya misatu baboya ki kotine la mbonga ticket ya Maroc ya wana nde siko pena bibabino ya mbalo penza ya suka pena donc yo ebisi wange no ya suka pena ya mbalo pena to kapa. Allez, Bibi, c'est bien à 4 ambassadeur. Pour la monnaie, la française, on non, non. Bon, Bibi, Sangaï, Soki, Linga, les a bien fait. Bon, on a gagné bon on a sur Elvis. Balobi okenagina Elvis, babi oliagi bon a pas ya père na bango. Po okotse na sélection. Tellement ba boy ko zoyé yo aussi. On est qui première raison yo aussi lika ki. Tant ka ba ba boy ki. Yo mba mu ko komi de ko fashi. Banana na wana wana. Totalement. Non, exacto. Olo bi exacto. Alors premièrement, l'air Elvis Soukisa aye aye ke nangaité. Yemoka prévoit à l'obaki que Azar ou Yakuna parce que paix à son âme, Banoma qui est ambassadeur à Koufi, Didier. Oh, Yakoufi, Yemouta qui avait formé, qui était avec Elvis Azar qui est dans le club. Oh, Yakoufi dernièrement là. Non, Lukoki, Didier et Tomba. Voilà, Didier. Non. Didier Kankou. Ouais, Kankou. Didier Kankou. Ah, Didier Kankou. Voilà, Didier Kankou. Et vu ça, ça joue en Aïe. Et ça joue en Angaïté. Quand Aïe, l'air n'a pas fait un rendez-vous, tout le monde a dit non, au Roger. Et ça joue en Angaïté. Nabi, ah, quand on a un côté à l'Aïe, on a un côté à l'Aïe, petit hasard, il a des qualités. Abi non, Tika, et ça, Moussa, on a dit ça. Problème exacte, n'a pas problème exacte, il y a aucun souci. Mais quelle force j'ai pour voir ni Nazan Nango na koti sa joie. Non, nga naza déjà très rugueux mutumoro, très très dur. Ce qui ngaï réellement nasa kamakambo été. La kisa na terrain, c'est le terrain muteuloba, ce qui réellement oui ou non. Mais koko tabako bo nizam ezavi na raté naza bo été. Et deuxièmement pona makambo bazo memelanga ipona
Pona Silas. Silas. Mm-hmm. Mais Silas. Qu'est-ce Silas qui s'est réellement passé? Non, Loba. Silas, projet à Silas. L'air Silas a contacté agent Naitozo sur la tout ça là. Donc, Mbo Kabalinga est tellement que Silas a ya. Nana obi, ok. To salaboué, to rangé pour na que Silas a zala a ya na Mboka. En même temps, Isaac Ngai, Gai, ti manager a zala ki wana pe, ke to me ma Silas, et en même temps, ne Silas a zwa ki tellement ma kaba problème e belé a wa na poto. Pendant un an et demi a zwa zo betate. Pas de salaire et l'autre côté, rien du tout. Après, Bambo Kamusu Banga va proposer Silas à Kono Beta Pona Bango. Silas a tiqué le cas à Congolais. Chico, yo, l'air Silas va document naé. Et comme il faut Simba, Chico sélection, Bangi Chico va jouer, va mémaé. Bon, il fallait que tout solo là calmement, que l'on va simplement que Zala Kimia, Torosa Lagno Songan en a pouvoir te. Tomoni na fédération, Tomoni na team manager. L'air baillé wana pendant quatre jours. Objectif est là qui simplement bon. Est là qui que s'il y a possibilité, si quoi, va problème, nous, ça soit qui qu'on a exposé, va problème qu'on a la fédération, ou ceux qui possibilité, c'est là, à mon amour conduit. N'a mon jamais n'a mon amour conduit. Donc, n'a même pas mon conduit. N'a zanan. Quand ça fait un an, jamais n'a mon aïe. N'a zanan pour un amé maïe. Ok. Déjà, voilà. Fédération, qui mange, Barounios, Azongaki, Bapesaki, Lorote. Non, Azongi, Amoni Moutoute, Bapesi Moutoute, Yemoko Mouta gaspillé, Mbonaye. Déjà, l'intention que Aya Namboka, Ngaï Sayatinga, il plaisir que Nabi Wala, Oza Mouan Namboka. C'est vrai que Tolobaka, même ceux qui problème les a, mais quand Toza Bisson Abisso a trouvé qu'on régler le problème, l'idée c'était boire. Bisson a bisso to zonga parce qu'il y a un gars qui a interviewé Téawa, mais il y a un gars qui a été réellement Makambo. Non, Aza Kino, Aza Congolais, a bombé Makambo. Il y a un gars qui a été réellement Makambo. Il y a un gars qui a été réellement comme ça, possibilité, neti batu balobaki, facilement, tu fongo la bino ba porte, au moins, na mukondi, au moins, on expose ba problème, non, yon sozoa ki wana. Nenge ba sali, par exemple, na boxeur ou nani Michel Bakole. Voilà, donc bah ça. Donc vous avez eu l'impression que Bakanga qui va porter pour Bangomba mon Azonga qui bredouille, donc il n'a rien perçu, voilà. Moi na Azongi bredouille a gaspillé plus encore Mbonge Bélé à Sili qui l'a su. Donc en même temps Atiki Makamesi nango Karaboué Kimia. Vous avez l'impression que Azong est comme un peu difficile si là c'est l'Azong en équipe nationale. Hein? Oui, on a un incident wana. Na olo balangé sou makamouwa na te so ba olo boy totalo bi boy. Non, motikana. Na répond dernière question ya Maroc après toké. Question ya Maroc. Balobi ba ya sou kapena ye pesa ke pena kan les attend encore ba tindi tikete ay ambassadeur Habib ngana ba to silani. Non, déjà geste wana makamou c'est irrespectueux. Nga bengango irrespectueux. Très bien. Moutazala Kinabino, Nakanzani. Je veux sourire juste pour essayer de tempérer un peu cette douleur et ce manque de respect, mais en même temps, tous les gens sont sérieux. Allez-y. Azanabino, Nakanzani, Nabina, Azanabino, 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 Yepe, Alobi, qui a la possibilité, bien sûr qu'il y a la possibilité de faire la Coupe du Monde. Azanabino, tout d'un coup, vous décidez, Tongite. Mais bon, ça l'a battu. Bon, ben, gaé, bon, le bas simplement que. C'est ça qui est n'a pas dit. N'a quoi que ça, la moussa n'a moutou. Même ceux qui n'a pas dit, mais ceux qui n'a ébité, aux alliés compétents, n'a quoi persister pour continuer moussa n'a ouan parce qu'aux alliés compétents. Mais ton collier ensemble, t'es. Mais ceux qui ont dit que ça, la part des choses, t'es. Malheureusement, c'est ça le problème. Donc, et ça l'a mis que, ok, bah, ben, y'a t'es l'autre côté, bon, bateau, bazawana, bah, kama, nara, bazo, c'est quand même. Aux ambassadeurs, yo tika, yo kenete, yo kenete. Bon. Ouais, c'est quand même difficile. C'est douloureux. Ma kamuna, biso, to se carbon, na kati na zobon, et puis à un moment donné, na lobby simplement, moi. Nathalie, papa, na bi, papa, oui, bien, na, et qu'on change l'autre côté. Na zan en raille, moi, na mbandaka, toute façon, il faut na zon, na mbandaka, pas la ki, na bi, na nga, papa, vraiment, na lebi, et ça compliqué. Alors, bi, vraiment, yo, vraiment, yo, moutozage, na bi, non, na lebi. Au moins, il y a un moment donné. Banane, il fallait battre de l'autre ticket. Est-ce que Ngana Ebina a décidé à Kuna? Ngana Ebina a été. So, Ngana Ebina a été.
Mais c'est qui le team manager? Parce que c'est lui qui s'occupe de la billetterie. C'est qui le team manager? Ah, Yomoko est dit comment on a. Yomoko est dit comment on a. Monsieur de Dolande, peut-être que Yosoban va poursuivre, mais moi je cite son nom. Non. Nazo fin à moutouté. Nazo fin à moutouté. So Nazo Loba, ils ont dit par rapport à l'équipe nationale. L'équipe nationale, ils ont à moutouté. Non, peuple. Non, ma kamoua Naza Kunate. L'équipe nationale, ça appartient au peuple. Donc, ce n'est pas clarté. C'est pour ça qu'on a évité. Une fois, on a évité que na tunaki, oh, ils ont été moutoutés. Donc, pour qui m'a abonné, tu m'as abonné, na 53 ans. Na ebi makambe bere na zota la ba la ki sanga mayele otali mutubwe vanda no kimia réponse azo pesa o analyser olbi a mutu azabu azabu vandi no ka kimia donc il est basa yangote bon nazwa ki conseiller nazwa ki chabani tozo solo la abi ozo yate nabi ah batenga na makamu wana te aebi singa kobenga akobenga fédération et akobenga ministre. Nazui suite batu balobi pe le côté donc important ezali wana tenga po na geza makamu mike mais ceux qui l'a bozo tia moto na poste il faut boza la baloba il faut être des hommes otali moto en face au lobeli makamu pas ko ça la semblant moto na zo cp anaye ki na kato lingite nga nazo ya te po na batu nazo ya po na équipe nationale lui permettre nga ke batu bay banga di banda si on a ya po na batu te. Donc, tu as vu que ça, la part des choses, le problème est d'aller où? Tu as rancuné pour la pamba. L'air obéta balo, et que balo, nous en a besoin des uns des autres pour être Kennedy Bosso. Mais puis, tu as dit que tu as dit que tu as dit que bientôt vanna, tu as dit que non, tu as dit que 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 tu construire avenir pour na bano bazo ya sima. Et ça, pour nanga, c'est ça le plus important, ma camion soana. Troisième phase au Nazokota, et c'est ça que j'aimerais bien poser cette question. Ambassadeur, tu as continué à se faire un lingal, hein? Au moins de. Nati Kali, mais Nazo sentir Nazo perdre de Malobo, Nazo Loba, mais. Ok, on va essayer de mélanger les deux. Ambassadeur, aujourd'hui, avec ce désaccord avec la FECOFA, pendant un côté jusqu'à troisième phase, avant de clôturer. Quelle est votre décision finale? Vous allez continuer à travailler avec eux? Ou vous décidez donc d'arrêter et de vous retirer? Puisqu'on ne peut pas dire que vous avez démissionné parce qu'il n'y avait pas de contrat. Donc, quel est le véritable mot aujourd'hui pour essayer de fixer? Parce que dans Tangiba Journaux et Belé, Balobi, l'ambassadeur, après un an en fonction, démissionne de ses. Il y a ce qu'on a vraiment clarifié en haut l'élo. Avant de poser aussi comme la question sur, les raisons réelles qui vous ont poussé à vous retirer ou à démissionner. Décision finale, nous, ce qu'on a mené, tes amis. Ah, décision, donc, Naïdi Sabandeko, Bazaba journaliste, Boyeba, que ce qui m'a démissionné, c'est que Moutango a signé un contrat. Peut-être que Boyeba a quitté, mais Nataya qui n'a contraté. Donc, Na longwe nangai. Donc, bako la nangate ko sa la boyete. So, yi maizan makamwa na zwa avoka. Bako sa yi lorote parce que na signé contrat na bangote. Donc, chiko, na prefer nangai na longwa nangai. Na ko ede mboka nangai différemment. Na zo continue miya ba le men. Na miya fekofa na zan nangai te. Na zala kite depuis 2 mois et demi. So, bozo ben nga moutoute depuis 2 mois et demi. Donc, bozo tika. Donc, c'est qu'à partir la moutouana, azali utilité pour nabino. Donc, on va continuer, on a un problème exacté. On va se dire, on tient n'importe qui ambassadeur ou quoi, on tient n'importe qui. Mais on va se dire, on va se dire. Mais en espérant que, au rôle où on a, excusez-moi, au rôle où on a, ils allient au rôle moko et qu'ils peuvent permettre au cannabis que on va se dire. Parce que au rôle où on a, ils allient au rôle moko. Oui, parce qu'on a eu le moko. Oui, tout ça. Pas pour na yomoko, pour na mboka oyozo me mamboka. Ezali pour moko mounene. Parce que il faut tende au promouvoir l'image en mboka. O luka ba sponsor ke ba ya pour na ke fédération et comme indépendant. Donc, o me ma ba sponsor, image nyoso wana, e ko luka ba match ya kitoko kote ba mboka moussousou, pa ko beta na ba mboka wana, me ko me ma bango ba ya na mboka na biso ko beta ke ba mo na ndenge kitoko mboko toza nango. Ezali rôle moko a kitoko, ezali mo rôle moko teke, but non, ezali mo rôle moko
que tout le mois aux autres tas de comptes rendus n'a pas mis compte aux opé ça parce que rôle wana c'est ça qui permet que batuba mona évolution yambo kanabino de makamwa ba les akotambole tozo comprendre rôle wana te exacte que scouting ou quoi non et c'est le comme vraiment ils ont montré en pleurs l'évolution yambo kan niveau ya balle ambassadeur. En tout cas Boroli Misanga, moi j'ai l'impression que je vais vous poser cette question. Est-ce que, sincèrement, avez-vous l'impression que la Fédération congolaise organise toute une campagne contre tous ceux qui viennent de l'étranger ? Dans ce sentir, c'est comme si vous vous êtes rejeté, repoussé. C'est comme s'il y a une certaine peur. Que ce soit du côté des personnes qui veulent apporter du changement, même au niveau des joueurs, tout le monde a que c'est comme s'il n'y a pas une volonté d'aller chercher ces joueurs. À part les joueurs, les parents, les bango, les zoyana, les mbongo, les pesa, les foot, pour faire partie de la sélection. Je donne l'exemple de Théo. Si ce n'était pas le père qui avait approché la fédération, moi, Kanyaka, tout ça, ce qui va lui quitter en Gaza, tout en Athée. Donc, avant joueur Aya Kobet en équipe nationale, apparemment, il faut que soit ma parent solo là, avant Aya en équipe nationale. Fédération Oezo Kenimabe. Ce que tu dois sentir, c'est comme si le dirigeant Oyo, qui a apporté un plus, ce bazout à l'étranger, c'est comme si Bozo Zala émettait. Mais bien, il y a un peu de temps à l'étranger. Ozo sentir en monde. Mais pour Ani Kobanga, non. N'a pas cet exemple avant de côté réellement dans la profondeur. Oebi Bambo Kagioso, balinga kake so bazu ba entraîneur yambo kana bango bauti ba yambo kana bango bazwa ba diplôme nyoso bazo sala en même temps être à la tête de l'équipe nationale ezelo komo kwa munene mais tozo mona ngotela nazo mona bambo ka mususu nazo lula ezo soa parce que là nazo mona Aliou Cissé auto beta tous ensemble Sénégal bazwa tema kokumi s'entraîneur na parce que za mona mboka tozo ki Flora Ibenge abunda bunda ezala ki passe. Mais tu vois qui suis Christian Senge. Christian, tu as dit Valère a battu Nabal. Malheureusement, c'est ça. Christian Azala Kiwana, un formateur, un grand entraîneur en place. Je comprends que là, Balongwel, Bapé s'y était, aux possibilités. Une deuxième fois, Balongwel est directement boy, à Outi Libanda. Chico, on a Nazomona, clairement. Nazomona, clairement. Batounioso, au Baza Libanda, à Outi Libanda, l'air Baza Koya pour Naokota. Eza compliqué. Koza la Congolais, eza kito comme eza passi. Libanda balingi bisote. Tozongi nambo kala bisope balingi bisote. Bazo komate biso. Ongi to salanini. Ongi to salanini. Eza système moko, eza en place wana système wana. Eza li tellement bien, bien fissuré ke zo salake. Bio bozo boyu tu Libanda ana. Ben bozalo obije ke ben. Bozela di. Vous êtes un peu à l'extérieur, c'est compliqué. Voilà, mise à l'écart, c'est compliqué pour na kebo kota na makambu, vraiment na kati. L'air na mona kabatu boy réellement, l'air au beta bali, au cause on a fait philosophie à boyete. L'air au beta bali réellement, au ebi bali, au beta bali, au ebi que non. To beta na bali bato yo, to liak ensemble été, mais l'air toza ko beta, même mayo, toza ko bunda tous ensemble. C'est pour ça que, malheureusement, nous sommes na zo mona, et zali vraiment passe. Même bazo, bazo ya na extérieur, l'air baye, baza neti, comme si Bazaki était étranger. Et ça passe. Vraiment, question au lobby, et donc au bon moment, les alités. Et ça tellement compliqué. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait longtemps que Makamwana est toujours pour ça. Là. Mais ceux qui ont ça, les l'autre côté. Ceux qui ont ça, toujours Makamboué. Et qu'on continue des années. Et en même temps, tous ça, qu'on perd des joueurs et belés. Les joueurs, en gros, ils préfèrent qu'ils ne placent pas nous parce que ceux qui sont hier, ils désirent ça plutôt. Et ça compliqué pour Nanini. Parce que Baby Moutouboete, Baby Moutouboete, et ça passe. Est-ce que Ozo craindrait le pire aujourd'hui? Parce que Nayamba qui Christopher Walembo la semaine passée, et je lui ai posé une question très importante. Mais à Ebisaki, après ça, on a tout une question à Ebisaki, dans le lobby Christopher, pour Nanini, Babi Nationaux, Bazobo Yakoyan, équipe à Léopard. Après ça, on a réponse, Moko et. Et tout le monde s'est dit, en tout cas, micro n'a pas la tête. Et puis, il y a eu un peu de temps, enquête, une recherche et tout ça. Réponse à PSN, ils ont peur. Peur, ils ont englobé Marambe Bélé.
Mais dans ma recherche, dans l'enquête, dans la salle, on a découvert que Perwana et Zali, ils se sentent menacés physiquement et spirituellement quand ils arrivent au pays. Mingi bazo banga koya ko beta na léopard parce que na ye nga na ba ba pratique wana parce que j'ai été victime de ça moi-même aussi hein nga mo pe na vivre le kwana donc bazara na ba attaque o e ko kipe ko bébi sa ba carrière na bango et pas ya ba joueur nazo accusé ba joueur locaux nyo sauté mais za na ezaki na ba certains za na ba certains joueurs locaux oyo ba salaka bazalaka na aide ba pratique fétichiste, ou est-ce que c'est non, pour pas bloquer, et surtout à l'aide, na aide y a ba dirigeant moussous, yamboka wana. Yo, en tant que joueur, est-ce que Okoye Bisabiso réellement, qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette sélection? Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas. On ne peut pas. Bon, je pense, na pensé que Kolobaizo permettre que tout comprendre beaucoup de choses. Génération nanga nazwa ki matambwa, nazwa ki ngaï. Et Zouakingaï, et l'air aux hommes à Boé, c'est vrai que, n'a l'obaki que n'a obtient sous ma colotte. Parce que l'air n'a moni Boé, après l'air n'a ébi ma kambele kaki, n'a oki son mon abi, n'a bundi po na kobeta, et puis essengo po na mboka, et puis oye wana problème les yeux. Bamoussousou, l'air n'a zota là, bazo beta bien awa en Europe. L'air bazo tia ma colotte, n'a mboka, me connaissa, baibi sousou balete. Ozo pose question, mais di kamne nezo le kanaka tuana. Il faut y aller parce que quand on aille, bah jouer à Mingo, bah y, bah Ming, bah Kola n'embocate, bah Ebi n'embocate. L'air basoya, je pense que pour n'aille, il faut qu'il y ait un accompagnement parce que Ming, bah y, bah quoi qui bah on bâti qui bah on carboué, bah Ebi te place baso tia makolo. Parce que bah vanda kunate, bah y ebite et la plupart l'air baso longwa, baso zonga kuna, bah jouer wana baza na difficulté pour retrouver rythme na bango ou même sur le terrain na soin na moko Ebi singa que. Les raisons qui m'a payé ma zo pour qu'à zo comprendre. Donc, ma kamouana, ça existe réellement. Et ça, vraiment, dans kati. N'a n'a zo le bapo n'a n'aï. N'a l'oubi, n'a l'ouba clair. L'air n'a zongi, n'a zala qui paralysé côté droit. Pendant 15 jours. Ouais. N'a zala qui paralysé à ouais. N'a zu ma kolo, ba problème. Y'a santé, ba problème. C'est pour ça que, kolo ba, l'air n'a vendu bo n'a lingi mbo ka n'aï. Mais, c'est pour ça que raison, les agneaux sont là. Ils ont raison bien pour. Non, ils ont persisté, placé, ils ont été guillotés. Mais ils ont nommé pour Nanin. Mais ce que combien à niveau, ils ont été. Mais ils ont permis de. Ils ont senti une attaque spirituelle. Ils ont été guillotés. Natikali deux semaines, clairement, oui, Nazala qui bloqué côté droit. Nazuango. Problème ni Nazuté. Si qu'on l'a na moni bonabi, non, pardon. Na lingimbo kanaza toujours supporter. Mais qu'on travaille na batoua, na ba continue. Ce bout ba lingiote, ozo forcé pour Nani. Ils vont mieux Nati. Donc, Lelo, Tokolo, une des grosses raisons où ba parents y a ba binationaux. Ba boya ka ke bana na bango ba ya ko beta ezalaka beaucoup plus ba linga ko protéger bana na bango ah mutunyoso oyebi makambezo le il faut yeba ke ba joueur avec les réseaux sociaux ba lobana ka bango na bango monde siko ezane te époque na biso te nyoso zo yeba nyoso bazo mona bazo tina ba teso bazo la xatala bo etala bo bango na bango nouvelle génération nyoso na ba yebi makambo Baby Makameli Kaka. Donc, est-ce que na liste Oyo Salaki, Soki ba Chaki ba moyen en jeu, que non, selon programme au Salaki, ba pêche ba moyen, ok, au visiter joueur, au présenter projet, au Bengi président Fati, à Solo il n'a pas joueur, est-ce que on dit que Tolingakito soit quand même 17 joueurs sur 18? Et qui a le solo, Kamali solo. Oh, Nangina Loba, il faut reconnaître que tous à la paix claire. Parce que la clairvoyance, ils ont permis de toi évoluer. L'air n'a l'obé là qui est au lobby simplement que, au départ, bateau, bah critique, Nayoki bah critique, Ngaipe Nazolo, Bandé, Nil, Boye Tozo, Kokate, peut-être au Lekate.
Nalobi bien match à Bénin, match mi balo en Tanzanie Bénin. L'air na Monique, entraîneur à Tikali solide na Makamuba, ayoki ba critique bois, au comprendre te Tikali né na philosophie nae. L'air na sali chiko statistique na batunangai, na Monique ba koti saki biso ba biebe. Tozoti belete mais ba koti biso ba biebelete. À garder système nae philosophie nae ba même joueur kayé baki Tanzanie toti 3. Totier 2. Donc, Azala, comment dire, il était dans le vrai. Chikoyo, l'enga na zo sala, na sali, ni sena batunara na bino, et zani en plus ta la coach, yomuto ta la, peut-être oko kozoa, moko ou mi balé, mais ezate ke na chamboule, non. Nga y simplement moussa na na luka, en même temps, na za ko anticipé, kope sa liste, bota la, est-ce que là, vous pensez que possibilité ezali? Ezali bajo bazawana. Donc les singa ezali qui simplement boy. Mais sikoyo l'air tozo lo baké président atia liboko na katiwana na lobela ki bato baza poche na ngai na lobela ki baro na lobi Congo possibilité ezali que tokende toza na nyoso po tokende na coupe du monde pona nga Maroc badeka ki bisote ezala ki simplement état d'esprit makamu ezala ki état d'esprit. Parce que, quand ce sont les autres là, individuellement, Congolais, tous à Moussika, par rapport aux Marocains. Mais, il y avait collectif, et ça qui n'a place, et mental. Et ça qui, par petit détail, wana que Bango, ils ont reçu à pouvoir qu'on profiter Nango par rapport à Abisso. Mais, si quoi, ils ont ça la place, parce que, tous au monde, que c'est vrai que tous les cas qui vraiment pémeni, n'a espoir wana. Mais est-ce que ce que ma camisola qui tout autour n'a évité n'a pas le bâtiment mutazo te détenir en vérité te. Mais ceux qui ponanga ceux qui te prépara qui nyo soana tozala qui n'attend 2 mois et demi avant Congo tonga to les katonga to zapas to zate c'est pas au dernier moment qu'il fallait te préparer nyo soana. Ambassadeur, nous avons l'impression que voilà collectif y a d'anciens joueurs Bouzouzala vraiment n'a na voilà bosa vraiment un mot à dire t'es bon la puissance t'es devant tout ce qui se passe autour de la fédération hein tout le monde a... oui allez n'ya na lo baboy o excusez-moi est important o est très important bon mon dit là aux autres la sélection mususu na aux on rapport la mususu parce que na ngar toujours kota la copier pour nani ba mususu bazo avancer na ça toujours ba recherche na kota la nazo soana bango là nazo mona que Sénégal, tout autour naïe, sélectionneur, il y a simplement tous les anciens qui ont joué au foot avec lui. Babeta Bale naïe. Chikoyo, Oko Kozala Mané, n'importe qui, l'air où Abeta Bale di Bosso naïe, Azolo Belaye, a ebi que oui, il y a Beta qui. Aza, moi, Kolo Bela, joueur à Vendi. L'air, n'a exemple, parce que, Swakingai Mingi, Makambo Nayoki, parce que cuisino toza na ewana, biloko balamba ki, batu basi ba photo, bazo la kisa tout ça la. Mais ceux qui, bato ba beta bale, basala ki wana, pa e bisasiko ba joueur. Eh, kozwa boite, joueur nga oyokaye, a e bike, yé avant, yé moutadeka ki li boso. C'est ça qui est l'apport que toza ko comprendre te, ezate ke koya, ezali simplement ko joue rôle. Qu'au jeu rôle que Bajoua va prendre conscience au côté de l'équipe nationale, on les a jetés. Parce que Bato Bajoua kota la bino, Bamsou Bazan a bilo koliate, Bajoua kota la, parce que Bazo Linga, Bangi équipe nationale na Bango. Batia simplement que va toucher moral à Bajoua, mais ça, ils ont ma commentaire, ils ont ma commentaire, Bajoua ma bêta au Bazawana, Bango Baibi Koloba, Baibi Kosolola. Les Bazo Loba, Bajoua Bazo Kabango, parce que Bassa va comprendre que place au Bazali Wana, je pense que et là qu'on a une façon pour déclencher que Bajoua baye baté to yé pone lo ko moko te yete que pona boy non même ceux qui bazali conscient mais bazana to ça qui Bajoua mutako ko la ko ça et le trop choc a kebino lo ko mona buta comme ko la bune ko la bino avec une telle agressivité pour na booster bino aibi pona ni ko ça lango. C'est ça, Nanga, non, le boss qui s'est engagé. Donc, vous avez l'impression, donc, au devancé, que tout question, Nanga, mais c'est comme si Fédération
bino bat bozaki tout autour wana, c'est comme si il y a une clique de personnes, il y a bah dirigeant on attend qui tout les lots information mako balobi que bah dirigeant il y a Mazembe avec club et un autre club, il faut bah kouta na ba sangana ensemble pour bango bah dessiner profil il y a prochain président de la fédération. Ils vont peser de tout leur poids pour bangonde bah dessiner profil wana il y a prochain fédération président de la fédération. Aux hommes on a dit que il y a un cartel qui se forme et qui en ce moment est en train de peser de tout son poids, de décider sur l'avenir du football congolais. Est-ce que vous trouvez en note que Binopé, ancien joueur footballeur congolais, et Sengel Binopé Bosangana, Binopé Bosana, cartel Moko soudé, pour vous faire face à Namakam Oyo, vous devez avoir des avocats en votre sein, vous devez avoir des logisticiens, des physiciens, des gars qui ont de l'intelligence. Parce que je sais que Bozakin Bino tient son carrière, mais Boroué, c'est un peu comme ça. Après, ma carrière, il y a ceux qui ont eu des postes carrières, il y a des managers généraux, il y a des personnes intelligentes comme Christopher Walembo, Youssouf Moulumbu, il y a M. Makiadi, Michel Dinzey. Vous devez. Est-ce que Bozoumou n'a que Tozo perdre, surtout tant que Money List est à 25 Oyo. Tozo se dirigeait vraiment vers le fond, ambassadeur. Est-ce que tu as vraiment combattu cet côté en athé? Parce que Naza vraiment, Naza a battu. Nga na komi presque na koma presque na tika marambo ya. Na komi vraiment presque na abandonné. Na lo bananinga là. Bon, comme ça. Eza nga ponangeza ba message pour na ba ancien joueur. Au pressinga occasion excusez ngai. Na oya na makamu na yo. Nanga na lo baboye bande konangai na lo ba clair avec beaucoup de respect ba mikolo pe bazawana soki bino bozala kite ba lenga existé te y aurait jamais il a fait kofa donc boye ba ke fait kofa wana eza ya bino eza ya biso nyoso ba footballeur nanga na lo ba simplement que eza neti mutu asambe la kaso kalingo kozwa ko kayo ko récupérer la grâce tout ça. On va avec violence pour récupérer grâce à Wana. Bah, le Wana fait qu'on fait Wana, et ça pour Nabino. Et ça pour Nabino. Bah, joueur, il faut que bah, joueur batte les mains. Botika pour bomba Naboué. Non, je pense qu'il est temps. Nga nazo loba, nan lobi, parce que nan ngeke, football ya Congo et que Ndidiboso. Mais Bino, Bobeta Bale, Bozala qui sur le terrain, Boyebi, la soif, l'envie aux joueurs, à Zwa qu'on ressentir. Joueur Konaz à la bien sur le terrain, Boza, Boyebi, Makamunyo Soana. Mais Bande Konara, je vous implore, botez les mains. Et comme tant que, si Koyo, Bota la Bambo, Kamusu, Souté, Tota la Cameroun, non. Bisopé, Tosa capable, Tosa Lango. Nazo Ningate, Kenazal, Amina Bino, non. S'il faut que Tosuana, Toko Suana, Konake, Génération Zoya Sima. Basse pe la balle au batala mikolo batike de biso. Donc bande konara to telema. Et j'attends que to telema. Il n'y a pas moyen que to bomba nao pona makambo non. To e bakote ma to zala ensemble pona ke fédération wana. Ben mouto aebi moutabale ba récupérer makambo wana. On doit pouvoir s'élever par rapport à ça. Il faut apprendre à se parler. Il faut apprendre à se parler, à s'écouter. Il n'y a que comme ça. On était comme ça sur le terrain quand on jouait. On a besoin des uns des autres pour pouvoir atteindre un objectif. Donc il faut que tout ça, la moussala ensemble, tout est ensemble. Hypocrisie et si les bandes konangaï. Surtout ça, les boîtes totiques, elle a toujours sima. Totique a toujours sima. Les boîtes à rouber ta balle, les bateaux belles, les bazar, tout à la bino. Si quoi, bateau en appel, il faut que basse, ça va mon acquis moussala ou tout ça, tout ça là, voilà, ben que voilà. Ils ont pris la responsabilité. Tant que tu sais, en gros, tu as aussi ma responsabilité, Nabiso. Ma camoussa est autant pour la tête, ça faute, Nabiso. Faute, Nangaï, faute, Nabino. Bisso, n'y a pas de balle. Toti, kako, bon, manasima. Il est temps que si, bon, bima, toti, le mato, le banor. Trop, c'est trop. Et ça, facile que toi, indiqué, moutouboyassali, boité, moutouboyassali, boité, non. Tobi, tobi, que tu as ma bibale. Ma mibale, tout le monde a kamoutaza, mibale par rapport à ses actes. Donc, s'il n'y a pas d'acte, tu as mibalité. Merci. Je sens vraiment que il y a une certaine révolte, hein, c'est difficile.
Parce que pour la question opposée, Ngaï, ma candidat, oui, ma candidat, ma Zoya est belé. Mais ils ont faute à Nan. Ils ont faute à Nan. Ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont tort. Ils ont raison pour Nanine parce que, ils ont footballé, ils ont télématé, ils ont télématé. Depuis des années que Zali Wana, quel projet qu'il y a pour un ancien footballeur? Quel projet? Déjà, projet pour un projet Zali. Beaucoup d'anciens footballeurs. Il disait, il va et Zali. Donc, un projet, il est connu des Apona. Nous avons trouvé normal, donc c'est pour ça ceux qui sont candidats, ils sont là. Et ça, normal, parce que les footballeurs, ils sont télématés. Les footballeurs, ils sont unités. Et ça, faut une abysse. Ceux qui sont unis, ils sont séparés, ils sont unités. Ils sont unités. Tout ça, pour comprendre l'importance. Tout ça, pour comprendre l'importance de Wanate. Est-ce que ceux qui sont là, pour former un bloc qui est en Makassité, cartel Nangambou Nabinopé, pour s'opposer farouchement à plein au réseau ça au bas déjà qu'on tient la base na yango na zone on a déjà bas journaliste bas déjà qu'on commis ça tout tel un certain tel est-ce que Borozala Borozo se sentir Borozo se sentir tel que oh excusez-moi oui est-ce que Lelo Borozo se sentir tel que ceux qui ont échoué na mission Oyo, Borozala peut-être responsable de l'échec y a football congolais pour des années et des années. Ba génération ebele ezotale la bino. Pourquoi bazolo ba que boza complice? Parce que vous ne dénoncez pas, parce que vous gardez silence. Mais je comprends. Il y a des personnes qui combattent dans le silence, mais nous n'avons pas salipé. A pesipe moi na mungala moi na mbandaka moté ma chocho ya bomba ali kamuté ya lobara vérité na vérité soki na ke na ngamo mususu na moni mutu lokola Christopher Walembo un mukongo ozo sentir pacifique tout ça il regarde de loin il observe mais il combat à sa manière c'est-à-dire que azo sunga ye moka zo sala ba misala zo sunga ba jeune tout ça mais on ba mususu pena donc bango pena bazo lia mbongo ya cartel wana. Et ils sont là pour vous diviser. Parce que tant que Bino Moko Bozo a conscience, ou soit le football congolais est hypothéqué pour de plusieurs années, parce que l'élection, et Belette Rosala dessus, hein. Ce qui, peuple congolais, en tout cas, avant Yolo, avant Natikino Maloba, Poto 4 émissions, peuple congolais n'a pas lancé un message. Ce qui bon se révolter, ce qui bon au sérieux, nous allons passer des années difficiles dans le football congolais. Pourquoi je dis difficile? Parce que l'État congolais a recommencé à débourser de l'argent pour une fédération qui n'a aucune vision. Et c'est ça le risque. Quand un État dépense de l'argent, dans un moment où tout le monde a qui volonté à Papa Fati, à lobby que non, à subventionner le transport et tout ça, pour apaiser, pour alléger la tâche, hein, la charge et le club. Mais quand l'État décide de s'investir et de mettre les moyens pour des projets footballistiques au Congo, il faut que du sérieux à là. Il faut que du sérieux à là. Donc, on va faire voyager à Bino, transport, tout ça, pour dans un calendrier qui n'existe pas. Calendrier, on a déjà dit non. Trois matchs dans le même stade, dans la même heure. Ce n'est pas sérieux. Championnat Mobimba, plein de fautes administratives. Je vais porter l'oupopo plainte pour utiliser qui joueur Moro avec club. Sans la permission. Donc, va retirer le point. Donc, bah match est zobé dans manakat sa bureau corruption à l'arbitre. Non, est-ce que ça vaut vraiment que Mbongo ya contribuable et bi marapo na championnat ya boy? Ça c'est la première chose que je dis. La deuxième chose, tant ou bazo kinda kozora ba entraîneur, est-ce que vraiment bazo étudier le profil du footballeur congolais? Est-ce que le footballeur congolais c'est un footballeur défensif? Est-ce que c'est dans notre ADN? Est-ce que Bozo Zoma Kamino soit un enjeu? Bozo Bimisambongo à l'État, quand on a désordre, parce que Bozo Liaba commissionne à ciment. Ensuite,
ce qui président Fati a koti magambo yote en tout cas na zolo ba magambo pena bien atabo sangani ndenge nyonso modèle magambo ezokende ezokota na politique na kati ezokota na politique na kati parce que ba acteur politique bazana na kati yango moninga na télémi pena na lancer pena appel na yebi ke peut-être a royo ka ningati. Mais peut-être que peut-être bakokiko lancer message parce que il y a danger dans la maison, il y a danger dans la caverne, il y a des loups tout autour de la caverne. Bazo zela po babeta kuya suka bongosko binonyo sobola la kao. Ambassadeur Roger Itoto, en tout cas na rokango tango mingite. Na lingaki vraiment que tu sois là, que tu puisses nous donner les vraies raisons de votre retrait. On va pas parler de démission parce qu'il faut savoir utiliser les mots. Mais nalingi nati ke la obimisa liloba ya suka. Liloba ya suka na yebi ke na koti ke la mo bande ko mususu tam su baza ko zana une ou deux ou trois questions. Mais nalingi vraiment yo obimisa maloba ya suka et loko ni nosa nango lelo pona léopard pona football congolais. Non, pour le football congolais, je pense que c'est un lobby en haut très bien par rapport aux anciens. Dans ce sens, là, simplement par rapport aux anciens, il faut que tous soient réellement soudés. Dans le bango clair, tous soient vraiment soudés. Que plusieurs fois, tous le bas, oui, mais il fallait que Oyazala, il faut que Oyazala, non. Ceux qui vraiment, t'ont dit, t'ont sauvé le football, il faut que tu côté les mains. Il faut que tu aies. Au solo là, tout bang de l'autre côté. Tant que tout cause à la vraiment soudé dans mon thème à moko, et à partir de là, ma caméco Kennedy Bosso. Mais il faut que tout tel ma bande de connaître. C'est pas simplement que tout le bapo n'a pas le bas. Non. Parce que là, tu as la possibilité de changer ma loba, de changer ma cambo. Mais pour cela, il faut qu'on se fasse violence pour que ma cambo réellement et Kennedy Bosso. On n'a rien sans rien à mon kili. Vieux ali boy, toi et bien votre bête habille son nez sur balle. Ma micolo nanga bozali wana a eu beaucoup de respect, mais il faut que totel ma habille son nez sur toi et belo que ton ingé vraiment. Parce que là, ils ont vraiment signé dans l'âme que le boy est simplement que dernier virage. Ce qui vraiment virage yo, ma footballeur nez sur, bazali soudété, va être simplement pas pour le même intérêt et que ça l'a vraiment pas si. Et là, on a engagé le bas simplement. Comme message, ils allaient simplement. Mais bon, l'endetté, nazo et Bissabino battu Bolinga Kokoma pour na Kokoma, nganaza na Tawanate. Bon, l'endetté, oh, boy non. Ils a décision engagé. Oh, nazo ils a engagé. Amour, nazo nango pour na Mboka, ils a engagé na Mboka, na Mututé, na Tala Kamakamwanate. Bon, fatigué, t'es botti, na ma message a quand même engagé. Oh, nazo le bas vraiment, ils allaient Mutu. Il blessait à l'intérieur l'amour propre, l'air aux alliés vraiment congolais, l'air basuo et ça la capacité vraiment passe. Nazo le bango t'es avec rage na mouté, ça problème na maté. Nazo le bas parce que nazo t'as la que valeur footballistique au tosa lango pas na biso. Il faut que tous à la conscience, tous à la conscience ma bilo au tosa lango. Il faut que toi apprendre qu'au bunda les uns pour les autres. Tous à la soude bande konaraï. Ce qui te sale en goûté, malobagno se trouve ça, là, ils a pamba. Si y a l'igno et ancien joueur, vous à la vraie. Ce qui vous a vrai, c'est au collé caca kaboye. Et puis en même temps, avec le regret, on ne vit jamais avec le regret. Ce qui te sale, moussala, c'est au collé la carpam. N'engana au baboye, parce qu'ils ont une mission, il faut baler au baza simanabiso. Ce baler au baza simanabiso, bazo bimate, ils ont faute inabiso, tout ça responsable, parce que tout ça, la moussalate, pour na baler au baza simanabiso, que baza la bien. Est-ce que, pour na reçu qui ça, est-ce que depuis, voilà, Sangwe Panzana qui que vous avez démissionné, est-ce que vous avez eu à recevoir certains appels de la fédération? Non. Pour. Non. En demandant de vous expliquer, peut-être par rapport à votre décision, ou peut-être pour un bon de la peut-être que non, aux Zalawana, vous travaillez ensemble, est-ce que va réagir ou bien nanté? De quoi n'en aille, oui bien, dans le bas qui bien, il faut sentir dans le monde, on en est dans le bas.
moi na mboka ba bonde la kayete na za tapo na obona non eza motema na boyi na boyi batwana na ngite ba boyi na ngai oyibi le ozokota na ndaku moko okoti na ndaku ndaku ozokota so ba kiyo tu es au quotidien, tu es bienvenu au CPI. Et Nati Kanandako. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux dire, parce que non, non, je ne veux pas dire que je veux 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 dire que non. Veux dire que je veux dire que je veux dire titre wana au vendi na titre wana non. Mboka ne zamboka ko trahir te. Mboka na ou olingiango ou olingiango te. Mais koza la te boye entre les deux, non. C'est pour ça que na telemi, naza na rien contre quoi, non. Na boye. Na boye nangai. Na boye so ba tio boye. Est-ce que Koulutu Santos, votre ami Chabani Nonda, est-ce que ozwa kitan ya rosolana bango par rapport à la décision na yo? Est-ce que ba soutenir yo na ma démarche na yo? Non, na zwi na solena na solena moutoute. So na ebisho ke so ki na zwa ki mutu pendant 2 mois et demi wana na zwi mutu te on kota na 3 mois na. Tanga na ebisa oui na zwi mutu. Na zwi mutu te. Po na oye bisa yo ke tu n'es pas le bienvenu. Oye boe me ah etali biso te. Oye bi l'air batu basa la ka stat ya ba joueur. Le zo sa stat ya ba joueur. Le temps que l'équipe sur le terrain. La passe décisive. Tout Ezo zo attend ma casse. Mais Moussala Moko ya kitoko, ce qui vraiment batouba yebi l'importance à Moussala wana pour na koye bango. Il faut vraiment yebi ko beta balle là ko expliquer na. Nazana ndeko moko asala Moussala wana ya statistique Steven Bala. Franchement oui. Le garçon il est très doué avec ça. On a félicité ça son attaque comme on a c'est parce que na mona Moussala salaka. Il a toutes les statistiques de tous les joueurs congolais qui évoluent à l'étranger. Des fois, il nous le poste. À ça, la canangai. Tout ça, quand ça, il y a beaucoup de fois. Angina lobate mais na lobby, mutabo na bomba ate. Ah excusez ngai, mutabo na bomba ate. Parce que na kaisa na ibi cinq osa liboma. À 2h du matin, tous os sur la nabi, osa na vite abi non. Mboka est plus important. Mais là, osa mona bato aboye. Angina là, na ko la te. Azopé ça tellement force que aux autres bah non il faut tout continuer c'est pour ça qu'il faut qu'il comprendre que ça la pour Namboka aux années au community du bon matin mais allié et singo mais il y a un moment donné bah bengaka respect mutaza wana il faut respecter abeta ba les autres respect mutazo tu n'as respect c'est important. Ceux qui vont se sentir respectés te, et pourtant non, non, au salaming je me rappelle ma période il y a Vareuse il y a au Bokenda qui n'a pas jeune avec Dinzey vous n'aviez même pas les chasubles pour les enfants au sala qui appelle mais apparemment bah membre Fekofa vous ont même manqué du respect et pourtant eh non il faut na loba na je suis désolé na katio beaucoup de respect. L'air tokenda qui kuna la Luxembourg, na zova na musika, na zimu na kei, na lani noten. Et zala qui a l'occasion de quoi? Match de U20 à Luxembourg contre la première, une équipe qui avait joué les éliminatoires de Champions League pour se qualifier en Ligue des Champions. Disait à trouver match wana. Toke, na zui Oyomuto qui s'occupe de l'équipe entière. Nazuya Lobi, non, il n'y a pas de problème. Mais il faut y aller que Bana Ming Awa, rêve na bongeuse équipe nationale du Congo. Na CP Nabi, et en plus, leurs homos na équipe, ah, ils ont tambola bien. Mais comme ils favèrent mon quoi, mon nez, Awa. Leurs homos na banango, ba dit, bah, y'a, disait Azaki tellement na ba joueur. Donc, si koyo, n'a pas de bunda, si koyo, côté équipement. N'ayez pas quitté que, parce que normalement, Bambo Kanyo, c'est ça la maca. Il y a les équipements pour le A, B, pour toutes les sélections, et ça, la fédération. Oh, il y a donc, na tout l'équipe entière, il faut tout na, bah, que ça y est feu vert. N'a bien, on comprend de non, il faut feu vert, tout ça, ok. Bah, ebisinga, ok. Kende, hein, samedi matin, koya. Na samedi na 5h na la muki na bengi rien 7h na bengi rien ba joua mususu ba lala ki na mutuka ba oti musika
parce que mes parents basa dans ma moyenneté n'a tout ni simplement n'a zo pas poser n'a tout ni simplement est-ce que un petit rien au moins mes parents et je permettre bâtir essence ba zonga problème exacté ça va être déboursé na CPI na ABC bangote na CPI na ABC coach disait na CPI chiko yo nyo so ana na monité na bengi na 9h et le côté mutao yambate na juste ko mukonja fait ko fa na abe na bi non mais yo bimi sambongo oninga kamboka bimi sambongo to ko rembourser yo na bi non na ko bimi sambongo te mais yo zali nani biso mutoto tio na place wa noza nani akatinga i téléphone wana président a fait ko fa yes akati téléphone au moins c'est pour ça que na se kaka makambele ki tellement belé. Mais pour nani nao et biso boye parce que pour nangeza importante Nathalie boye et puis ozo mona grandeur amour pour nangeza importante mbokezali important mais mbokezali na wana tango bazo kende ko lelo bana na baza bana mikie et c'est ba expérience a bon tango bazo vivre bazo mona déjà que non biso to lingi bango te parce que nous sommes incapables de leur fournir des équipements pour jouer un match de U c'était de U20. C'est grave quand même. C'est grave. Oezali tellement makasi parce que bozo sala dinzei bozo bimsangona ba mbongo na bino moko alors. Tant que bozo déplacer ba jeune wana. Non parce que adjo yan dizei de netu donc aju mutuka a sa di 100 km ezala ki na 10h 11h 100 km a kedota l'association congolaise ezala ki kuna na met a récupérer équipement parce qu'association bazan équipement a récupéré équipement au Congo a memi en haut pour na que ba joueur ba beta ba on ba éviter makameleka ki parce que to ebisa ibangote siko le jour siko ba joueur wana ba roboya koya ko beta na léopard parce que ils n'ont pas senti l'amour de nos dirigeants kaka bat oyo bazan en Facebook lelo bazan na ba réseaux sociaux kaka ba ngonde ba ofinga bango hein. Donc d'un côté, bozo mona ndenge biso tozo négligé. Ba joueur tango bazana jeune âge. Mais ceux qui ba joueur wana ba atteindre niveau ya likolo, nde siko to komo pousa na pembe na bango poto ye ba ko profiter. Et c'est ça le problème. Quand on n'a pas de stratégie, on ne sait pas qu'il faut investir dans la jeunesse pour na ke lobby mona o ya ki kwanga na yo. Aye ba ke no a te na lia kwanga ya léopard. Tant on a moins à mouquer parce que Batistra ils ont eu cette chance à l'époque avec le programme et tout ça tellement Babeta qui balata qui déjà Varese à léopard Bayoka qui déjà Lengone à léopard il y aurait permis qui bah on va rejoindre l'équipe nationale en tout cas ambassadeur merci beaucoup non donc, c'est moi que tant Mingité donc il était prévu que tout ça à 1h30 maximum bande connions sont n'a remercié Pebino en tout cas n'a passé Pebino le sous message. Ce qui n'a posté que n'a oyamba mutu n'a comment toujours que botin n'a pas question n'a bino ponga na zo temps ya ko tanga yango pona yeba ndenge ni na ko poser yango mais ce qui botin ni ba question te et que beaucoup motin na message na messagerie et comment un peu difficile parce qu'il y a tout le monde qui est en train de poser des questions et je ne sais pas lire il y a plein de commentaires hein donc à un certain moment je ne peux pas donner la parole comme ça, Ndekonanga. C'est ça le problème. Je reçois un invité, na yebisa ki bino bien, beaucoup ma question pour nga nazwa nini na roki ko sala interview. Il y aura des émissions oyo ko sala ke à téléphone ouvert oyo ke na roti ke la bino moko maloba boko loba hein comme ça na tiki la bino liberté on a. Ndekomanga komi a donne nous la parole. Nazomo na kombo na yo te mena. Ezo komi langa ke Facebook user. N'habitez sur les anani, n'habitez sur vos anani questions, donc sur vos anani numéro langa WhatsApp pour ben comme ça ambassadeur, ayoga question na yo et puis à répondre. Et puis deuxième chose, bandego onyo subozo talabiso, tous comprendre qu'il y a la frustration. Bandego onyo subozo talabiso, il y a aussi un moyen aussi de contribuer à ce que nous faisons, hein, juste en mettant un j'aime, juste en laissant un commentaire. Juste en partageant ce que nous faisons. Et aussi, hein, il y a aussi un moyen de contribuer
Hein? Sur YouTube, il y a l'option Bomonezawana Super Chat. Ceux qui ont cliqué dans Super Chat, ils ont participé pendant 1 franc, à ta 2 francs, ou ils ont permis que Bissot Lilo, peut-être Ndenge Nayambi, ambassadeur Boué, Natindila Patamwa Koka, Amela. Hein? Donc, c'est aussi une manière. Donc, voilà. Donc, c'est une manière pour nous aussi, hein, de vous aussi, pour vous aussi, de contribuer au travail que nous faisons. Et pour terminer, je vous donne le programme. Semaine, samedi, émission Eurolekana 19h, mais à 17h, parce que tout ça, la finale de la Champions League. Naroya Mandeko Alain Tsepouk, fondateur de Ujana. Yepetan Moussous Aroya Lavisosous ma solo, il y a bien. La semaine prochaine, nous allons recevoir le samedi, à partir juste après la rencontre des Léopards, Togoye Baroyamba Youssouf Mouloumbou, à partir il y a 19h. Dobandeko Obazana ma question, c'est le moment. Hein? Activez les étoiles sur la page Facebook et activez le super chat sur YouTube. Dobandeko Obazana question pour na Youssouf Mouloumbou, samedi prochain à partir il y a 19h, juste après le match des Léopards, Togozalana Youssouf Mouloumbou. Dobandeko Nanga Bolimbisanga. Nazala rappel n'a pas programme. En tout cas, Roger et Toto, pour clôturer cette émission, un dernier mot. Non, je remercie Ming pour la parole au permettre Ngana Nalo parce que nous c'est vraiment dans mon thème. Donc, au permettre et aussi libérer. Libérer Ngai calmement et Nazana Kanana Moukite. Donc, Bissonio Stongi Kembo Kekene Kosso. Donc, au Bundaka, Kapo Nambo, Kane, Kennedy Bosso, mais Nazu, Nangai, Net, Nalobi, n'a préféré Nangai, Nazala, Sika, Namakamouana. Donc, il y a fédération. Mais, comme Wana, Nazo, le Bande, journaliste, Baye Bakosa, la part des choses, des missions, ce qui contre Zali. Peut-être, Net, Boye Bakite, contre Zala, quitté. Donc, à partir de là, donc, n'a préféré Nanazan. Très bon. Donc, voilà, merci pour la Mingi, mon. Bon, continuez toujours aussi. Qu'on suive, qu'on supporte Joshua Makamazo, ça, parce que, on a les alliés pas cités. Non, ils ont la vérité, ils ont pas cité. Azo Bunda, parce que, Azo Laksa, comme, Kosa Patriote, voilà, c'est ça, Moussa Patriote. Azate, que, pona, c'est Pélissanga, c'est Pélissamoutou, non. Angi, bah, vérité, que, au moins, tout Kennedy Bosso. Sans, prise de conscience, il y a Moutou Moko Moko, toi, bah, t'es réellement des vraies valeurs, Kosa Langonambo Kanabiso. Donc, ce que je Mboka, et je veux que je vous remercie, respecté, je vous bientôt, je vous remercie. Je suis obligé de temps en temps que je vous remercie, je vous remercie. Donc, merci beaucoup pour nous permettre de vous remercier. Et puis, bon, merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci. C'était l'ambassadeur Roger Itoto, hein, ex. Bon, il reste quand même notre ambassadeur à nous dans les cœurs, hein, Toligné Mingi. Donc voilà, c'était la fin de notre émission. Comme je vous ai dit, la semaine prochaine, nous serons avec Youssouf Mouloumbou à part contre les Léopards. Ce samedi, je vais recevoir M. Alain Tsepouk à partir de 17h parce que nous avons la finale de Champions League. Hein, donc, restez toujours scotchés. Bandeko, beau soutenir. Naebi que Moussala Oeza facilité. Mais de votre côté, Nazan a besoin. Bah, Oyo Baza, vraiment, on a ma question. Tant que vous êtes à l'émission, laissez-nous quand même un j'aime. Hein, Botiki, là, certainement un commentaire, un partage. C'est comme ça que Makambo Tozolo Baawa et Koeba qui s'est propagé. Et qui occupe le Komati, Namato Yabat Oyo Basengeli Bayo Kayango. Mais ceux qui bino boyo qui bobombi pour nabino, je ne sais pas comment est-ce qu'on va s'en sortir. Hein? Donc voilà, merci. Et je vous donne rendez-vous pour ce prochain samedi à partir de 17h. Voilà, et bonne journée à tous, bonne soirée. Et surtout, God bless you.